Sur son compte Twitter, Pierre Ménès a indiqué que sa mère était décédée. Il a reçu immédiatement le soutien de ses abonnés, attristés pour le chroniqueur sportif. Pierre Ménès est en deuil. Sur son compte Twitter, le chroniqueur sportif a dévoilé la triste nouvelle. Ma mère est décédée dans la nuit. Pas de face à Pierrot demain. Je suis désolé, a-t-il simplement indiqué. Il n'a pas dit plus sur l'âge de celle-ci ou les circonstances de son décès. Une annonce qui lui a valu de recevoir de nombreux messages de condoléances de ses abonnés, attristés pour lui et désireux de le soutenir dans cette terrible épreuve. Si est désormais sur les réseaux sociaux et sur YouTube, que le chroniqueur sportif poursuit son activité et garde le lien avec ses fidèles depuis son éviction de Canal+. Si est d'ailleurs par ce biais, qu'il avait indiqué en décembre dernier qu'il était à nouveau hospitalisé. De lourds problèmes de santé pour le chroniqueur sportif Pierre Ménès a été victime à plusieurs reprises de graves problèmes de santé ces dernières années. Souffrant d'une cirrhose de Nash, il avait dû subir une double greffe du rein et du foie. On a décelé que mon foie et mon rein étaient très malades et que je devais subir une greffe simultanée des deux organes. J'étais devenu un légume, complètement un légume. Les seuls moments de joie de ma semaine, c'était d'aller aux séances de dialyse de l'hôpital américain. Je ne pouvais plus marcher, je ne dormais plus la nuit, c'était horrible, avait-il témoigné. Il avait également été atteint d'une forme sévère de Covid-19 au plus fort de la pandémie. En avril dernier, le chroniqueur sportif a été plongé dans le coma, comme en avait témoigné son avocat. Une situation qui avait abouti au report de son audience pour agression sexuelle devant le tribunal de Paris. Elle est normalement programmée pour ce mercredi 8 mars. Des accusations qui pèsent sur le moral de Pierre Ménès. En octobre dernier, le journaliste avait livré un témoignage inquiétant sur son état de santé. Là, je ne peux absolument pas sortir de chez moi, je n'ai pas d'autonomie, je marche avec des béquilles. Après la greffe d'il y a 6 ans, un Covid grave, une infection très forte pendant 3 semaines en avril dernier, je sens bien que plus ça va, plus mes forces diminuent, constatait-il. Les accusations de harcèlement sexuel qui pèsent contre le journaliste auraient d'ailleurs eu une incidence sur son état de santé, comme il l'avait confié aux Parisiens. J'ai passé 3 semaines en réanimation. Mon médecin est convaincu que mon état de santé est directement lié à mes ennuis judiciaires, témoignait-il ainsi. Il avait porté plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse. Ma mère est décédée dans la nuit. Pas de face à Pierrot demain. Je suis désolé, Pierre Ménès @pierremain. March 5, 2023 à lire aussi. Pierre Ménès de nouveau hospitalisé, l'ancien chroniqueur de Canal+ donne des nouvelles. Keep it here in me, na 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 me. Your lips, na.
can keep it up, I have a